Chers invités, chers internautes, vous êtes en direct donc avec Madame All-Star. Chers freelance, chers partenaires, chers membres et amis de Madame All-Star, bonjour à tous et bienvenue à cette seconde cérémonie des Madame All-Star Awards que j'ai l'honneur de présenter. Je me présente un petit peu justement, Mathieu Angelo-Lisson, donc qui va faire le maître de cérémonie de cet événement. Cette année, le thème de cette édition est la chasse aux étoiles, comme vous avez pu l'entendre à travers la musique de tout à l'heure. En tout cas, donc, la chasse aux étoiles, j'espère que vous avez tous cette envie de mettre, d'accrocher une étoile durant toute votre carrière. Et en tout cas, c'est bien parti grâce à cette deuxième édition. J'en profite un petit peu de faire une parenthèse par rapport à ceux qui sont en ligne. Est-ce que vous nous entendez bien ? N'hésitez pas à commenter ou envoyer des messages afin de dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas trop. D'accord, ok. Nous avons notre community manager, bien sûr, qui s'en occupe. Avant de débuter, je ferme la parenthèse, avant de débuter cette remise des prix que beaucoup attendent, toute l'équipe du bureau exécutif de Mada All Star, l'association des freelance du web de Madagascar, tous les membres de cette association et plus globalement, toute la communauté des freelances du digital de Madagascar souhaitent remercier les partenaires de cet événement qui ont généreusement contribué à la réussite de ces Mada All Star Awards. Merci tout d'abord à notre partenaire d'honneur, Portail Phoenix, une société canadienne qui est le résultat d'une fusion entre deux entreprises et quatre entrepreneurs qui œuvrent dans le domaine du yoga et du bien-être et qui ont choisi d'unir leurs forces et leurs talents pour inspirer la transformation dans les cinq couches de l'être: physique, émotionnel, mental, spirituel et le bonheur. Le site web de Portail Phoenix est d'ailleurs une magnifique réalisation Mada All Star que vous pouvez admirer bien sûr sur portailphoenix.com. On peut leur adresser d'ailleurs nos premiers applaudissements, s'il vous plaît. Merci aussi à notre partenaire officiel, l'ONG International Madagascar Hive, qui œuvre dans l'accessibilité à la ressource en eau, notamment à travers des actions qui visent à réhabiliter l'école auprès des plus jeunes, à soutenir les parents et à proposer des solutions durables dans la riziculture avec une philosophie qui se résume autour des principes du mouvement, de l'effort et du progrès pour l'autodéveloppement. Pour en savoir plus sur Madagascar Health, je vous invite à vous rendre sur leur site web madagascar-health.org. Bravo à eux, veuillez les applaudir s'il vous plaît. Nous remercions également notre partenaire officiel Annick Andiamamund de l'Institut de Massage, massage d'ailleurs, situé à Paris, proche du quartier de la Défense,
pour sa participation à cette édition des Mada All Star. Annick est une entrepreneur inspirante pour toute la jeunesse malgache, mais à Madagascar, elle a grandi au sein d'une famille très attachée à la culture et aux traditions locales, et en particulier à l'art du massage dont elle fera rapidement sa vocation. Installée en France depuis 10 ans, cette amoureuse de la nature et des trésors naturels de Madagascar intègre judicieusement des produits naturels de première qualité dans ses différentes techniques de massage. Rendez-vous également sur son site web massagedailleurs.com pour plus d'informations. Veuillez l'applaudir. Et enfin, se prépare un petit peu à notre président. Et enfin, merci à notre partenaire média, Déco and Event by Sandy R, qui a notamment contribué donc à faire de cette cérémonie des Mada All Star Awards un événement plus respectueux de l'environnement grâce à ses solutions de décoration zéro déchet et minimaliste. Hein, comme vous pouvez le voir, nous avons de très belles décorations. Vous pouvez la retrouver sur la page Facebook Déco Event Sandy. Donc voilà, coller. Sandy donc qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui et est également donc une membre investie de Mada All Star et l'un des meilleurs talents de l'association en matière de rédaction web et de management d'équipe. Veuillez l'applaudir s'il vous plaît. Et enfin, on l'attend depuis très longtemps, on le voit sur les réseaux sociaux très actif. J'aimerais à présent laisser la parole à l'un des fondateurs et l'actuel président de l'association Mada All Star, Dimitri Brouwers. Merci, merci Mathieu. Merci à toutes celles et ceux qui ont fait l'honneur de leur présence aujourd'hui. Pour répondre présent à cette seconde cérémonie des Mada All Star Awards, j'ai pris pour habitude de dire que notre association a pour but de réaliser des rêves, des ambitions, des objectifs. Je sais à quel point les talents que nous décidons d'accompagner vivent parfois des situations difficiles et viennent parfois de très loin. Et je sais aussi à quel point ils peuvent faire le bonheur des recruteurs pour qui ils donnent sans compter. J'en profite d'ailleurs pour saluer amicalement tous les recruteurs de Mada All Star pour qui la dimension sociale de notre action résonne tout particulièrement dans leur volonté de collaborer avec notre organisation à long terme. Mais aujourd'hui, il s'agit surtout de récompenser les meilleurs talents de Mada All Star pour leur professionnalisme et leur état d'esprit de battant, prêt à tout pour réaliser leurs rêves. Et si leur rêve n'est pas assez grand, de réaliser ceux de leurs proches et de leur famille. Et si les rêves de leurs proches, de leur famille et d'eux-mêmes n'est pas assez grand, eh bien je leur souhaite de réaliser le rêve qu'ils projettent à la face du monde avec bienveillance. J'aimerais aussi mettre en lumière le courage de ces assistantes, assistants virtuels, ces community managers, ces rédacteurs SEO, ces traducteurs, traductrices, ces développeurs et développeuses web, ces graphistes, ces freelances du web de Madagascar qui m'ont un jour parlé de leurs rêves et à qui j'ai promis qu'on allait chasser les étoiles ensemble. Célébrons aujourd'hui la réussite de ces talents bruts transformés en or. J'aimerais parler d'exemples de motivation qui nous inspirent l'excellence. J'aimerais vous parler de stars internationales, oui. International. Cette année, j'aimerais par exemple vous parler de Prisca, premier talent Mada All Star basé à Tokyo, où elle apprend actuellement le japonais. Mathieu, j'aimerais qu'on parle des lauréats de cette seconde édition des Mada All Star Awards, tous aussi brillants les uns que les autres. J'aimerais parler d'espoir, j'aimerais parler de rêves qui se réalisent pas après pas. J'aimerais parler d'étoiles et même parler de constellations d'étoiles. Enfin, pour vous dire l'essentiel de ma pensée, je terminerai par une citation de Bob Marley, qui est la suivante. Si tu fais un vœu, c'est parce que tu vois tomber une étoile. Si tu vois tomber une étoile, c'est parce que tu regardes le ciel.
Et si tu regardes le ciel, c'est parce que tu crois encore en quelque chose. Merci et excellente cérémonie de récompense à tous. Merci beaucoup, Dimitri. On sent beaucoup d'émotion dans ta voix, hein, et c'est tout à fait normal. Nous allons maintenant passer à la remise des prix. Je vais commencer donc par nominer hein, les meilleurs hein, dans chaque catégorie. Donc, les nominés dans la catégorie du meilleur rédacteur rédactrice SIO sont Arsou Yankoutina Ravlulubao, notamment donc pour sa maîtrise technique des bonnes pratiques SEO en matière de rédaction et pour son travail de rédaction hein, pour les articles de blog, un site français de formation en SEO et WordPress. Nous avons également Samuel Ndiamahasu, nominé pour la seconde fois. Hein, Samuel est un rédacteur qui a énormément progressé cette année dans la rédaction et l'optimisation SEO de fiches produits et de descriptions de catégories pour des sites de e-commerce de très grande envergure. Et enfin, Sandra Ramagasson, également nominée pour la seconde fois consécutive. Hein, Sandra a multiplié c'est l'émission de rédaction SEO complexe cette année avec un grand sens du professionnalisme, un souci constant de la satisfaction client et des délais de livraison. Donc celui qui a le meilleur, on va dire la meilleure rédactrice donc SEO, bien sûr vous l'avez deviné, c'est Sandra Magasson que j'invite à monter sur ce plateau. Voilà, donc oui, bien sûr, tu prends ma place et tu assures le reste de la cérémonie. félicitations Sandra Magasson, hein, je vais te laisser un peu la parole, hein, ce que tu ressens et ce que... Voilà. Je suis émue. Hein. Merci. Un petit mot, merci à Madame Star d'être... l'arc-en-ciel dans nos nuages, merci pour cette étoile. Elle est le fruit et la preuve de tous mes efforts. Merci Dimitri, car tu nous apprends à chaque mission à donner le meilleur de nous-mêmes. Merci Patricia, tu es un vrai manager. Tu as su être très patiente tout au long de nos missions. Et merci à toute l'équipe, merci. Merci également, beaucoup d'émotions, hein, tu trembles et c'est normal, c'est tout à fait normal et encore toutes nos félicitations. Maintenant, les nominés dans la catégorie du meilleur assistant virtuel ou assistante virtuelle hein, sont Miur, je m'excuse d'avance hein, pour la prononciation de certains noms, Miur Indianei Vunirina, notamment pour la réalisation d'une mission d'assistanat et de prospection auprès d'une jeune plateforme professionnelle dédiée aux commerciaux. Nous avons également Priska Rakutfring, qui est actuellement au Japon et qui a su rapidement intégrer donc une entreprise française de formation en langue japonaise, comme l'a annoncé notre président tout à l'heure. Et la Latina Raveluarnivu, qui a pu acquérir ses compétences grâce à de solides expériences. Et on applaudit très fort Miura Andianeivunirina, donc la meilleure assistante virtuelle. Cours, Brest. Allez, juste un petit mot, même pour dire merci, ça suffit. Et encore félicitations. Fils, Matao, Star. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, les nominés, jusque-là, vous me suivez bien? Il n'y a pas de Dimitri? C'est bon? Tout le monde entend bien? Génial. Maintenant, les nominés... Pardon? D'accord, génial. Donc, les nominés dans la catégorie du meilleur community manager sont
Cathy Radoukmag hein, pour la mise en place d'une mission de community management pour le compte d'un institut de massage à Paris. Nous avons également Mickey Rama Rauf pour avoir appris à utiliser Canva Pro rapidement et réussi à s'en servir dans le cadre d'une mission franco-malagasse. Et enfin, la Latine a révélé niveau pour sa capacité à s'adapter aussi bien en assistante virtuelle qu'en community manager. Et cette fois, on félicite la meilleure qui est la Latina Rabelarniv. Bravo! Bravo, félicitations. Merci Madame Star. Merci parce que c'est vraiment une belle communauté et j'adore. Merci de m'avoir intégré dans l'équipe et je suis ravie de faire partie de cette communauté. Merci beaucoup, merci Dimitri, merci Patricia aussi. Super, merci. Merci à toi. Maintenant, nous allons voir la liste des nominés dans la catégorie du meilleur développeur, développeuse web. Nous avons entre autres Mami Michael Razzonari-Vouni pour sa collaboration avec une agence digitale française et la prise en charge de l'intégration complète de 1 à 4 sites web hein, sur mesure par mois sous WordPress à partir de la maquette Adobe XD fournie par le client. Nous avons également Maye Farniena Ramarav pour la seconde année consécutive, donc est nominée pour son implication infaillible dans plusieurs missions de création de sites web pour le compte de notre partenaire d'honneur canadien, la société Portail Phoenix. Et enfin, Vincent Razakaman, nominé pour la première fois cette année, bravo. Vincent a su s'intégrer rapidement dans l'équipe de maintenance technique de plusieurs sites internet pour le compte de la société canadienne Portail Phoenix. Et notre gagnant pour le meilleur développeur web est Mami Michael Radonarvouni. Waouh, t'es très émotif, hein? Ça se voit. Merci. Je n'ai pas grand chose à dire, mais je suis surpris. Okay. Merci à l'équipe Madoza, à toute l'équipe de Dev, Dimitri et Patricia, pour votre soutien tout au long du projet. Merci Madoza. Ah, j'ai bloqué, je vais me faire. Ensuite, nous avons maintenant les nominés dans la catégorie du meilleur graphiste. Hein. Nous avons Neil Randianirin pour son implication et son professionnalisme auprès d'innombrables projets de web design, de couverture de livres et d'autres supports de communication. Où est-ce qu'il est ? Il est là. Donc, et Brit hein, dans toute la francophonie. Nous avons aussi Vincent Razakaman que l'on retrouve également dans cette catégorie pour son remarquable travail de détourage sur Photoshop pour le compte d'une société de e-commerce française. Et enfin, nous avons Maïefa Indianarsou, première nomination pour Maïef, un jeune espoir de graphisme, du graphisme malagasy, qui a intégré l'équipe du site de e-commerce où il réalise de la recherche iconographique et de la saisie de données pour la rédaction de fiches produits. Salut Patricia. Ça va ? Ah, j'ai mon assistante qui... voilà, donc c'est toi qui vas remettre les cadeaux. Super, merci beaucoup. Donc, le meilleur graphiste est Neil Randianirin. Donc, hein. Bravo. Il est humble. C'est moi, oui. Bravo, un petit mot, Neil. Je sais que tu es quelqu'un de très bavard. merci à toute l'équipe, à votre Dream Team et je ne trouve pas les mots, merci. Merci à vous. Et encore félicitations à toi.
Ensuite, on va voir maintenant le la meilleure traducteur, enfin le meilleur traducteur ou traductrice web. Hein. Donc les nominés sont Irina Sarah Abemananza pour la qualité de sa traduction en allemand et son intégration rapide au sein d'une équipe de rédacteurs et de rédactrices pour le compte d'un site rédigé en 5 langues. Nous avons également Miur Ratahir pour la qualité de sa traduction en anglais, la qualité de sa supervision dans le cadre d'une mission de rédaction et de fiches produits à grande échelle. Et enfin, nous avons Maë Vamiar, une jeune espoir de la traduction en espagnol. Et j'invite à venir nous rejoindre Irina Sarah Abemananza, donc qui a été notre meilleure traductrice web. Dis coucou à la cam. Donc c'est elle, hein, Irina. Ça, on t'appelle Irina ou ça va? Les deux, ok. Bon, non, c'est passé. Je voudrais d'abord remercier Dimitri qui m'a accueilli et m'a aidé dans mon intégration. Merci aussi à Patricia qui m'a beaucoup aidé dans toutes les missions. Et merci à Madame Star. Merci beaucoup et encore félicitations. Ensuite, nous allons passer maintenant aux nominés dans la catégorie du meilleur opérateur ou opératrice de saisie. Nous avons Thiamou Jarakoudson pour une mission exigeante avec des délais serrés de production de fiches produits pour un site de e-commerce. Nous avons également Arena Sour à Benatouin, également pour une mission de production de plusieurs centaines de fiches de produits par mois pour un site sur PrestaShop. Et enfin, nous avons Maïf Indianarsou que l'on retrouve également dans cette catégorie pour sa montée en puissance au sein d'une équipe de rédaction pour la production de fiches produits en France. À deviner qui l'emporte. Et c'est Maïf Indianarsou qui l'emporte. Félicitations, Maïf. Attends, un petit coucou à la cam. Je suis un peu surpris, mais bon, merci. Merci à Dimitri, aussi à Patricia, et merci à toute l'équipe. Merci, merci beaucoup. Mais pas de quoi. Ouais, il nous reste donc deux catégories. Nous avons les nominés dans la catégorie du meilleur manager d'équipe, hein, qui sont nous avons donc Patricia Ratahir, donc la secrétaire générale de Mada All Star, pour son accompagnement et ses formations auprès des talents assistants et assistants virtuels de Mada All Star. Nous avons également Tatiana Brewers pour son management et sa bienveillance auprès d'une équipe de rédaction pour un site avec la livraison de plusieurs dizaines de milliers de fiches depuis 2 ans. Et enfin, nous avons Sandra Kutfring, hein, pour sa supervision et la qualité de ses restitutions pour aider une équipe de rédacteurs débutants sur une mission de production de fiches produits exigeantes en termes de délai, de qualité. Mais voilà. Donc, parce que nous n'avons que des femmes, celle qui l'emporte, c'est Patricia Ratahir, qui n'est pas loin, qui n'est pas loin du tout. Ah, Dimitri, c'est pas toi qui vas le lui remettre? Ah, juste, il est occupé. Bon, allez, félicitations. Et un petit mot, s'il te plaît. Bon, un petit mot. Merci à tout le monde. Merci aussi à Mada All Star, merci à Dimitri surtout. Je pense que c'est lui qui devrait mériter plus que moi le trophée de manager, parce que c'est lui qui est quand même le plus grand manager, je pense. Hein. Donc il a su nous former tous, je pense à chacun à nos métiers. Mais merci. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, mais
Merci et longue vie à Mada All Star et la chasse aux étoiles continue. Merci beaucoup Patricia et voilà, bah c'est déjà là. Hein. Nous allons, en tout cas, comme je le disais, oui, je vais l'emporter avec moi. Merci beaucoup Patricia. J'ai toujours rêvé faire ça en fait. Voilà, j'ai eu l'occasion aujourd'hui avec Madame Star Awards. En tout cas, hein, sachez que c'est pas parce que vous n'avez pas reçu de d'étoiles aujourd'hui que votre travail est moindre. Non, vous avez tous fait du super travail. Mais bon, voilà, il y a certains critères que, en tout cas, moi, je sais, Dimitri m'en parle hein, depuis un moment déjà. Il me dit, non, j'ai une superbe équipe et tout. Moi, je vous dis bravo parce qu'il n'a que des loges hein, à votre égard. Encore bravo, vous pouvez vous applaudir très fort. Et enfin, on va finir dans la catégorie, hein, les nominés plutôt dans la catégorie du meilleur freelance 2022, toutes catégories confondues avec ce cadeau qui vient d'arriver. Hein, vous le gardez 15 minutes, hein, levé. Pourquoi ? Ouais, bah juste pour montrer. Ah. D'accord. Pardon. Donc, les nominés dans la catégorie du meilleur freelance 2022, toutes catégories confondues, comme je disais, nous avons Sandra Ramagasson, donc nominée pour la première fois dans la catégorie mère des Mada All Star Awards hein, pour ses nombreuses réalisations 2022 en rédaction web et optimisation SEO pour le compte de plus de 5 sites différents. Nous avons également Neil Ranjanirin, la révélation en matière de web design et graphisme de cette année. Neil a réalisé d'incroyables visuels, hein, site également couverture de livres pour le compte d'une dizaine d'annonceurs. Et nous avons Maefa Arnien Ramaharav, pardon. Pour la seconde année consécutive, hein, Maefa fait partie des lauréats de cette nouvelle édition des Mada All Star Awards pour son engagement, sa positive attitude, son sens de responsabilité et bien sûr son souci de la satisfaction client. Voilà, donc celui qui remporte la dernière étoile, il s'agit... Et le cadeau, oui, qu'on n'oublie pas. Devinez qui est-ce ? Plouf, plouf. Non, je regarde. Il s'agit de Maefa Arnien Ramaharav. Un autre discours différent de tout à l'heure. Hein. Et c'est le président qui va lui remettre ses deux cadeaux. Nous avons un vélo de sport intérieur, hein, c'est ça? Un vélo d'appartement. Exactement, voilà. Voilà, ouais. Je ne sais pas si on l'a tous vu en ligne également, peut-être qu'on va... On va le montrer, on va le montrer tout à l'heure. Mm-hmm. Mais félicitations Maef, c'est mérité. Et encore bravo à toi. Est-ce que tu as un petit mot? Bien sûr. Pas beaucoup, mais juste un petit... Je pense que ce trophée-là, on l'a mérité, mais les Sandra aussi, parce qu'ils étaient très forts. Et ben, merci pour ce gâteau. Je pense que tout le monde le met aussi, tant qu'on va le placer en haut pour que tout le monde puisse l'utiliser. N'est-ce pas? voilà. Voilà, veuillez l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Ne bouge pas, Maïf. Un petit impro. Je demande à tous ceux qui ont gagné leur étoile de venir nous rejoindre ici pour faire un coucou. Alors, un coucou et autres, hein, ce que vous voulez, à ceux qui nous suivent en ligne, s'il vous plaît. Moi, je vais me pousser parce que j'en ai pas eu. Mada All Star. Allez, attendez. Durant l'envers.
Merci à tous qui nous, à tous ceux qui nous ont suivis en direct. On va couper là et on se retrouve bientôt. On reste connectés. Au revoir tout le monde. Ah, mais ça fait plaisir, on s'est bien amusé. Voilà, maintenant, tout le monde, vous pouvez reprendre vos places, c'est un plaisir. Encore félicitations à tous les gagnants. En tout cas, cette cérémonie des Mad All Star Awards touche à sa fin. Je vous invite donc à nous rejoindre, bien sûr, pour un petit cocktail festif et à nous préparer pour la suite, à savoir la première assemblée générale ordinaire de l'association qui se tiendra cet après-midi. Pour, et avec l'équipe donc, du bureau exécutif et on espère le plus de membres possible. En tout cas, merci et bravo à tous et vive Mada All Star. We'll be right back.